Thomas, si tu as des précisions, tu peux nous les donner, s'il te plaît. Ça nous arrange un peu. Voilà, mais ça, celui qui sait la vérité, ouais. il est à la Banque mondiale. Merci, Devolver. Hein, ouais. C'est la Banque mondiale qui, non? Je sais pas. Bah si, c'est eux qui tiennent... 76 à 2003, utilisation de British Airways et Air France pour le Concorde. 76 à 2003. Le Concorde est sorti en 76. En tout cas, ils en ont parlé à la télé. Après, il y a sortie aussi l'utilisation commerciale. Non, en fait, il a passé Mach 3 en 1970. Mach 3, quand il est resté, tu sais, il a été à 2500 km/h pendant 50 minutes, en fait. Donc, il y a différentes dates importantes, voilà. Voilà, maintenant, on finit. Parce que, en fait, voilà, donc... Enfin, on n'a pas terminé le live, hein, c'est la première partie. Ouais. On continue après. Une heure et demie, non, après ça s'arrêtera et à 18h25 on a un invité. Un mec plus sérieux que moi, pas un rigolo. Thomas, voilà. Alors. On parle pas comme ça. Alors. On attend tous quelque chose, mais tout quoi, chacun fait ce qu'il peut dans son truc. Donc, moi j'avais une banderole pour samedi. Ouais. Mais comme c'est encore repoussé, ouais. On a eu Nadia, je lui passe un bonjour, Nadia Merani. Qu'elle a dit que normalement, peut-être ça sera le. Mais enfin, ça ne sera pas samedi normalement. Ouais. Pas d'autorisé. Alors, ta banderole. Voilà, donc là, j'avais une banderole pour samedi. Ouais. Donc c'est pour nous, c'est pour nous maintenant, en primeur. Voilà. Voilà. Et regardez comment il s'appelle, Martial Lanoir, qui parle de tout ça. Martial Lanoir. Et après, le miracle, c'est un autre sketch. Mais ouais. Faut en faire plusieurs, parce que les gens sont confinés. Donc, et comme ça, Rémi, il n'a pas de manif. Donc, ouais. Comme ça, ça lui fait de l'image et de la vue. Ouais. Voilà. Donc. Attends, alors, on va se mettre. On va rester là. Faut que je trouve un endroit pour la mettre. Où tu peux. Tu veux que je me détourne, après je reviens. Là, il n'y a pas une ici, une surface. Ah, là. T'as raison. Attends. Ouais. Va filmer l'hélicoptère et je t'appelle. S'il vous plaît, si vous pouviez respecter les autres et être correct et arrêter d'insulter tout le monde. On est sérieux, on se respecte. C'est le taco surprise du jeudi. Vous voulez vous faire plaisir le plus longtemps possible, vous voulez rester le plus longtemps possible dans le direct, vous pouvez le faire. Merci d'être présent ce jour, n'hésitez pas, vous pouvez inviter vos contacts, vous abonner, récupérer le lien présent sous la vidéo pour l'envoyer dans vos réseaux. C'est le taco surprise du jeudi. Et personne n'insulte personne, s'il vous plaît. C'est comme ça que ça se passe. Et c'est beaucoup mieux. C'est tellement mieux. Pour l'instant, je le laisse se préparer. Souvent qu'on est proche d'un hélico, bon évidemment on fait la pub de Paulette mais ils sont pas ouverts, mais bah voilà, l'hélico c'est un hélico assez petit, deux places là. C'est vrai que lorsque vous prenez cet hélico, c'est toujours en fonction, je pense que ça doit vraiment bouger dans le cockpit, hein. Ça va pas être très simple de, si vous n'êtes jamais allé en hélico, celui-là il doit quand même faire peur, c'est vrai Guillaume? Bon, je pense qu'il doit être prêt, je vais retourner le voir, sinon... Ouais, j'arrive. On y va, j'arrive. J'arrive. C'est bon, il est prêt. J'arrive. Ok, attends, je te filme d'abord, après je filme l'affiche. C'est quoi ça? Ils ont pas encore vu. Ah, tu veux dire un mot avant que je... Ouais, bah, donc voilà, parce qu'après, on va... Ok. Toi, tu peux venir, après je vais te parler. Attends, je fais un plan, puis je me rapproche. Liquidation totale, oui. Ben ça, c'était pour la manif. Oui. En fait, pourquoi? Comment t'aurais pu proposer ça? C'est plutôt en large, c'est pas en hauteur. D'habitude, t'es en hauteur. Oui, mais à deux. Ma femme, elle va se retrouver au chômage. Elle est petite commerçante aussi. Elle est vendeuse. Ça y est, à la fin. Tu bouges pas, je vais faire une photo, parce que c'est important. Donc, en fait, voilà. Donc, ça, c'était mon affiche que quand j'avais ma galerie d'art, tu te rappelles? Oui. Je fais une photo, je reviens. Je fais une photo, c'est important. La photo va être présente bientôt. Tu bouges pas. Attends. Super. Voilà. Cette banderole, ouais. Elle date. Elle est bien, hein. Donc voilà, regarde, c'est bien, là. Je ne me fatigue pas. Donc, bien, je parle un peu. Donc, cette banderole-là, vous pouvez la voir. Je l'avais en 2007, ouais. Quand on nous a expulsés. Ouais.
vous regardez sur Rémi, c'est lui qui m'a filmé, on était en gilet jaune en 2007. Ouais. Il y en a qui l'ont